Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais fermer ma visière parce qu'on entend mieux. Aujourd'hui, on va se rendre à La Glacière. L'auberge La Glacière. Ça, c'est à Saint-Zénon. On s'est déjà rendu à La Glacière en auto, puis j'avais monté jusqu'au cabanon. Mais là, on va partir de Saint-Jean-de-Mata, puis on va se rendre à La Glacière. Là, j'ai déjà venu stationner ici, puis c'était pour se rendre à Saint-Gabriel-de-Brendon. On avait pris la traîne locale, regardez le skidoo qui prend la traîne locale. Puis on avait tourné à droite pour aller à Saint-Gabriel-de-Brendon. Mais là, tout de suite après la traîne locale, nous autres, on va tourner à gauche. Fait que direction Saint-Zénon, c'est une nouvelle traîne pour moi, j'ai jamais été. Puis si j'ai le temps, on va aller visiter l'intérieur de la glacière. Je sais qu'on va passer devant trois autres auberges, là. Je vais vous montrer ça en passant. OK, c'est un départ. OK, une petite traîne locale juste pour se rendre au stationnement, puis il y a une station de service aussi au stationnement, dépanneur. Là, on s'en va sur un sentier fédéré. On a une soixantaine de kilomètres à faire. C'est assez froid aujourd'hui, mais je me suis mis une paire de bas de plus, un chandail de plus. Bon, on va être bien. OK. Saint-Gabriel-de-Brendon, c'est par là à droite. Nous autres, on s'en va à gauche. Là, ce bout de sentier-là, c'est pour les quatre roues et les motoneiges. Là, la surfaceuse n'a pas passé parce que c'est cette nuit qu'il a neigé. À la fin de la journée hier puis cette nuit. C'est pas grave, c'est beau quand même. Ah! Là, les quatre roues n'ont pas le droit ici. Moi, ça s'est séparé que j'ai pas remarqué. On va aller voir les pancartes pareilles, même si ça de. OK, c'est juste pour des McDonald's, Ultramar, un restaurant. L'autre aussi, c'est la même chose. OK. Direction La Glacière, l'auberge La Glacière, à Saint-Zénon. La trail de 4 roues recommence ici.
Ouais, ça va être bien montagneux jusqu'à Saint-Zénon. Si on suit, là, quand on y va en auto, là, il y a bien des montagnes. C'est déjà commencé. C'est sûr qu'on va faire du champ aussi, là. On s'en va faire vraiment les montagnes. Oh, un petit bout sur l'accotement. Un petit bout sur l'accotement, il y avait bien de la neige, ça va bien dans ce temps-là. C'est pas trop long. Retourne ça. C'était juste un petit bout de rien. Tu peux continuer tout droit. Ok, là c'est vrai. Là on rentre pour de bon. Il a neigé toute la nuit, ça paraît ces arbres. Traverse de raquette. Même cette surface n'a pas passé, là, après, là, pas de bosse, rien. Super belle. Droit de passage fragile.
je sens que ça va être beau. Déjà ici, là, c'est super beau. Là, moi, je vois un petit peu plus haut que la caméra, là. Je vois en haut, là. C'est vraiment beau de loin, là. Fin des quatre roues. La trail en arrête ici pour les quatre roues, mais eux autres s'en vont où? C'est ça, ça. Du trafic.
une bonne côte à monter. Il va y avoir de la montagne en masse. Il y avait une petite pancarte à droite, mais c'est tout des commerces. La traite de Saint-Jean-de-Mata à Saint-Zénon, à la glacière, à date, là, super beau. C'est rare les traites qui sont pas belles. Ça c'est beau ça.
Les petites curves cachées comme ça, là, je fais attention. Là. Dans le sens qu'il y en a un qui peut s'entrer. Une intersection. Saint-Gabriel, je ne savais pas qu'on pouvait se rendre à Saint-Gabriel par là. Mandeville, Saint-Damien. Ben, nous autres, c'est pas par là justement. On va pas à Saint-Gabriel. On va reculer, on va aller voir l'autre pancarte. Ok, c'est pas marqué, c'est Saint-Zénon, mais Dobbin Business, c'est vers Saint-Zénon. Enfin, je l'ai vu sur la carte. Ouais, des bons tournants ici. Oh, un peu plus que je sortais de la trail. Ça sera pas comique, mais ça, c'est des affaires qui peuvent arriver.
pas, puis il indique une côte. Ouais, c'est une bonne côte. C'est vraiment une belle trail. Mais vraiment le fun à chauffer, à conduire, piloter, ou je sais pas comment dire ça là.
je viens de me rendre compte que ma caméra est arrêtée. J'espère que j'ai pas perdu trop des beaux bouts. Ah, vous me croisez les doigts. Je retournerai pas de bord pour le filmer parce que j'en ai quand même pas mal à faire là. J'aimerais ça avoir le temps de filmer l'auberge, la glacière. Ok. On continue. Un peu plus, puis je passais tout droit. Il indique une côte quand il l'indique là parce qu'il est tapé.
OK, c'est ça. C'est Domaine Bazinet. Domaine Bazinet, 9 km. Caroline. Kilomètres commerce ici, danger, gardez votre droite. Ah, c'est pas 9 km. Ah, c'était 0.9. 0.9 km. OK, l'auberge du domaine. Du domaine, ça pourrait être Bazinet. L'auberge du domaine. Réception. Réservez votre table à l'auberge pour un bon souper de vacances. C'est un lac.
rocheux. Il y avait une petite pancarte qui a marqué le nom du lac. Auberge du Vieux-Moulin, location de chambre et chalet, fermée le midi. Ah, ça veut dire qu'il roule juste pour le souper. À droite, 6 km. La glacière, yes, à droite. On est correct. La glacière.
route. Il y a une intersection tout droite ou à droite. Ah! À droite, c'est local. De toute façon, on suit la 63. Ça se rend jusqu'à Glacier. Mais c'est continu, mais pour nous autres. Hein. Ah, c'est une autre auberge ici. Auberge. Auberge à barrière, ok. Ok, nous autres, on continue. La Glacière, c'est une direction, on n'est pas arrivé. Là. Il y a une autre auberge qu'on est supposé de passer devant avant la Glacière. Thank you.
63 nord, parfait. La caméra l'a encore arrêté. Moi qui voulais faire des sentiers sans coupure, ça va faire la deuxième coupure que je fais là. Désolé, ça l'a encore coupé. Pourvoirie Trudeau à droite, là, c'est pour les chalets à lui. La glacière, on est tout le temps dans la bonne direction.
Bon, ben la caméra n'arrête pas d'arrêter. D'après moi, là, c'est parce qu'il fait trop froid. Il fait trop froid, puis je la brasse. Là, je la repars pour la dernière fois. Sinon, ben, je vais juste vous filmer la glacière. OK. On se croise les bras, les doigts pour que ça l'arrête. Oups, je pense que j'ai oublié de fermer mon coffre. J'espère que ma caméra marche parce que c'est beau ici.
Il y a une intersection ici. Une intersection ici, mais... Ah! Le Colin, on est rendu à... Ma caméra n'a pas arrêté. Yes, yes. OK, on va aller voir ça. On va aller dîner. On est rendu à Saint-Zénon, à la glacière. Les autres, il y a un beau gros stationnement qui barre ici, là. Mettons, là, vous voulez venir stationner ici, coucher ici, là. Mais le soir, là, ils barrent le stationnement. Regardez, les autres, ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y a de la neige dessus. Il y a une place, je pense, pour mettre les motoneiges. Ouais. Pour mettre de l'essence ici. Avec toutes les places qu'on peut aller. Regardez, la trail a continué par là. Et nous autres, ça va être là. On n'ira pas plus loin. On va aller dîner, puis on va aller voir en dedans qu'est-ce que ça a l'air. Ouvert, yes, yes, yes. Ok, on va prendre la caméra et on va rentrer en dedans avec. Ok. Je suis tout installé pour rentrer en dedans. Je vais serrer mes affaires. Donc on va aller voir ça, la glacière. Mais avant, on va vous montrer les skidoos qui sont stationnés. Renegade comme le mien, sauf que c'est un 850, un 2 temps. Pas mal plus rapide que le mien. Polaris, un autre Polaris ici. Ok. La glacière. Il y a une trail qui s'en va dans cette direction-là, puis il y a une autre qui s'en va dans cette direction-là, mais c'est, les deux trails vont au cabanon, ça fait une boucle. Ok, on va aller voir ça, cet endroit-là. Ici, il y a bien des fraisons d'arbres. J'ai juste enlevé mon casse avant de rentrer parce que ça va mal. Ok, mon casse est enlevé. On va aller voir ça. Ah, la bonne chaleur. J'avais pas froid là, mais quand même. Ça, c'est la réception. La vapeur dans le... J'espère que... En tout cas, on peut voir un petit peu. Il
la salle en bas qui est fermée. Ok, la salle à manger est ici. Le bar est dans le fond. Ok, ben je m'installe pour me dire. On se revoit dehors. À tout à l'heure. Ok, ben c'est terminé. C'était très bon. Moi, je vais me retourner tranquillement chez nous. Quand même pas trop tard, là. Renegade 900. Ça, c'est bien. Ok, prochaine vidéo, je sais pas c'est quoi, j'ai pas eu le temps de regarder ça. Peut-être Mont Laurier, peut-être Saint-Michel-des-Saints, je sais pas. Ou peut-être d'autres places. Ça, je pense que c'est toutes des motoneiges de location parce que c'est toute la même chose. Ouais, ça doit être ça. Ok. Ben moi, je l'embarque dans mon motoneige. Hey, j'en ai embarqué sur un autre motoneige. J'embarque sur ma motoneige, puis on s'en va. À vendredi prochain. Dans une semaine aux prochaines vidéos. Bye bye.